Vivement qu'on en ait fini avec le folklore, que je puisse me mettre au travail. Vous pensez que ça va être long ? Non, il devrait avoir bientôt terminé. Je déteste attendre sans rien faire. Je pourrais me faire un petit jeu dans Harry pour faire passer le temps. Charlène, il faut que j'y aille. Je regarderai les rapports plus tard. Oh, annulez tous les rendez-vous de cet après-midi. Bien. Oh, capitaine, l'agent Norman Jayden du FBI est là. Norman Jayden, bien sûr, nous vous attendons. Je suis un peu pressé, ça ne vous ennuie pas de m'accompagner? On parlera en marchant. Oui, bien sûr. Je venais me présenter avant de prendre mes fonctions, mais le moment n'est peut-être pas bien choisi. Si, bien sûr. Juste que je dois courir à un point presse. On a des journalistes tous les jours matin. Je vais vous dire, c'est pas toujours facile de trouver quelque chose à leur raconter. Heureusement, aujourd'hui, on a du neuf. Avez-vous déjà rencontré le lieutenant Blake? Oui, ce matin. Il a ses méthodes, mais c'est un bon flic, vous verrez. Je suis sûr que vous vous entendrez très bien. Vous savez faire les nœuds de cravate? Je me débrouille. Pour être franc avec vous, j'aurais préféré éviter l'aide du FBI, mais la presse nous met une grosse pression. Cette histoire n'était qu'un banal fait divers et c'est en passe de devenir une affaire nationale. Des types comme ce tueur aux origamis, il y en a des dizaines dans le pays. Mais voilà, celui-là est exotique. Il laisse des fleurs et des origamis. Alors du coup, la presse débarque et on est le nombril du monde. Je suis ici pour arrêter un tueur en série. Sauf votre respect, monsieur, le reste ne me concerne pas. Non. Bien sûr que non. Tout ce que je vous demande, c'est d'avancer vite et bien. La presse a besoin d'un coupable. Et nous avons tout intérêt à lui offrir sa tête sur un plateau d'argent. Pas mal. Oh, allez voir Charlène, elle vous montrera votre bureau. Si ça vous intéresse, venez assister à la conférence de presse. Ça vous donnera une idée du climat politique et de l'ambiance qui règne ici. Merci, monsieur. Soyez le bienvenu parmi nous, Jayden. Jeremy Bowles a été retrouvé ce matin vers 6h30 dans un terrain vague de l'East End. J'ai vu Blake en arrivant. Je pourrais aller lui parler. Il me briefera sur l'enquête. Exactement. Et au vu des premiers éléments, il semblerait que la victime soit bien morte ou noyée. La manière dont le corps a été mis en scène évoque. Je crois qu'on peut s'y mettre.
Est-ce qu'on peut commencer à discuter de l'enquête? J'ai des choses à terminer. Je préférerais qu'on se voit plus tard si ça vous fait rien. Ok. Pas de problème. Prévenez-moi quand vous êtes dispo. Je dois retourner voir l'assistante de Perry pour qu'elle m'indique mon bureau. Je suis impatient de me mettre au boulot. Jolie montre. Oh, c'est le cadeau offert à tous les nouveaux lieutenants. C'est le même modèle pour tout le monde depuis 20 ans et à chaque promotion. Ça permet à tout le monde d'optimiser son temps et c'est le genre de chose qui fait toujours plaisir. Vous pouvez participer si le cœur vous en dit. Il manque encore quelques dollars. Vous féliciterez Larry de ma part. Je n'y manquerai pas, monsieur. Le capitaine Perry m'a dit que vous pourriez m'indiquer mon bureau. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est... mon bureau, ça? En tout cas, c'est là qu'on m'a dit de vous emmener. Si vous avez besoin de quelque chose, vous savez où me trouver. Bon, au boulot. D'abord, changer de bureau. Huit victimes disparues ces trois dernières années. Tout étaient des garçons entre 9 et 13 ans. Jamais de violence ni de coups. Les victimes disparaissent en plein jour dans des lieux publics. Aucun témoin oculaire. On retrouve les corps 3 à 5 jours plus tard, noyés dans de l'eau de pluie. La zone de confort du tueur est étendue. Il a rapidement pris confiance et s'est éloigné de sa base. Ça ne va pas faciliter le géoprofiling.
Il y a toujours une voie ferrée près de l'endroit où les victimes sont retrouvées. Toutes les disparitions ont lieu en automne. Toujours le même rituel. Un origami dans la main et une orchidée sur la poitrine. La mort remonte toujours à moins de 6 heures au moment où on retrouve le corps. Ce qui signifie que les victimes restent plusieurs jours en vie avant de mourir noyées. 3500 interrogatoires. Plus de 100 suspects interrogés. Et toujours pas le moindre indice. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il est intelligent, calme et déterminé, de type organisé. Il dispose d'un véhicule. Il a une activité professionnelle qui lui laisse du temps libre. La voiture du tueur serait une Chevrolet Malibu 83. Pas d'empreinte ni d'indice particulier. Pas grand-chose à en tirer. Espèce commune. Ça ne nous aidera pas. Un peu d'eau sur le visage. Il faut que j'en prenne. Je tiendrai pas longtemps comme ça. Ça va aller. Je peux y arriver. Je sais que je peux y arriver. Bien, monsieur. Il faut que personne ne remarque.
Voici le lieutenant Blake, monsieur Mars. Vous voulez bien lui raconter ce qui s'est passé ? Cet après-midi, je suis allé au parc avec mon fils Sean. J'ai un peu joué avec lui. Et il a voulu faire un tour de manège. Je l'ai installé sur un cheval de bois. Quand je suis revenu, Sean avait disparu. Quelle heure était-il exactement quand vous êtes arrivé au parc ? Essayez de vous rappeler précisément, monsieur Mars. Chaque détail peut avoir son importance. Il devait être environ 16h15. Oui, c'est bien ça, 16h15. Je m'en souviens parfaitement, j'ai regardé l'horloge du parc en arrivant. Où portait votre fils quand il a disparu ? Il portait un manteau. Un manteau beige. Et un pantalon. Un pantalon vert. Comment Sean a-t-il pu disparaître sans que vous vous en aperceviez ? N'êtes pas resté devant le manège ? J'étais allé m'asseoir sur un banc un peu plus loin. Je n'ai pas remarqué tout de suite que le tour de manège était terminé. C'est sûrement pendant ce temps que Sean a disparu. Dites que vous avez emmené votre fils au parc après l'école. Et vous n'avez signalé sa disparition qu'à 20h15. Pourquoi avez-vous mis autant de temps pour contacter la police ? J'ai cherché dans tout le quartier pour essayer de le retrouver. Je pensais qu'il n'avait pas pu aller loin. Bon, pas d'autres questions pour le moment. Vous pouvez rentrer chez vous, monsieur Mars. Nous allons poursuivre les recherches cette nuit. On vous contactera si on a d'autres questions. Est-ce que vous pensez que c'est le tueur aux origami qui... Écoutez, peut-être que c'est juste une fugue et qu'on l'aura retrouvé dans 2 heures. Et si c'est le tueur aux origami ? On dispose de 4 jours pour le retrouver. Ils ont trouvé quelque chose ? Non, rien pour le moment. Ils vont continuer les recherches cette nuit. Ils pensent que c'est le tueur aux origami ? Il est encore trop tôt pour le dire. Mais c'est une possibilité. Qu'est-ce qui s'est passé, Ethan ? Comment est-ce que t'as pu laisser Sean sans surveillance ? J'aurais jamais dû le quitter des yeux. Bon sang, c'est si compliqué de surveiller un enfant dans un parc. Pourquoi est-ce que tu l'as laissé, Ethan ? Pourquoi ? Ça t'a pas suffi de perdre Jason ? Excuse-moi. Est-ce que je voulais dire ? Bonsoir. Bien le bonsoir, monsieur. Je peux vous aider, monsieur ? J'espère. Je m'appelle Scott Shelby, je suis détective privé. J'enquête sur le tueur aux origamis. J'aimerais vous poser quelques questions. Mon fils est mort, monsieur Shelby. Il n'y a rien de plus à dire. J'ai aussi perdu quelqu'un que j'aimais. Je sais ce qu'on ressent. Alors, vous comprendrez. Je ne souhaite pas en parler.
Le tueur vient d'enlever un autre gamin. Un gosse de 10 ans. Comme votre fils Reza. J'ai 4 jours pour le retrouver avant qu'on découvre son corps sur un terrain vague. Personne n'a rien fait. Sauvez mon fils. Alors, soyez gentil, monsieur. Allez-vous-en. Ah, vous avez des inhalateurs ? J'en ai plus. Et puis, comme ça, je serai pas venu complètement pour rien. Au fond du magasin, à droite. Merci. Bonsoir, monsieur. Vous cherchez quelque chose en particulier ? File-moi ce qu'il y a dans ta caisse. Allez, mène-toi ! Ouvre ta caisse, t'as pigé, connard ! Pose la thune sur le comptoir ! Merde, mais t'es fou ou quoi ? Tu vas l'ouvrir, ta putain de caisse ! Non, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me voler cet argent. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Vous ne pouvez pas le prendre. Déconne, mec! T'as pas bien pigé la situation. Je vais te coller une putain de balle entre les deux yeux si tu fais pas tout de suite ce que je te dis! Vous n'avez pas le droit de prendre ma caisse, monsieur. Cet argent est à moi. Vous feriez mieux de partir. Mieux vaut pas bouger. Si je tente quelque chose, le gamin risque de paniquer. Dépêche-toi, sinon je te bute! Je suis désolé, mais je ne peux pas. Je vais te buter, mec, je plaisante pas. Je te jure que je vais te buter! Vite, il faut que j'appelle Disco. J'aurais voulu vivre assez longtemps pour voir celui qui a tué Reza. Oh, colère ici.
Foutue insomnie. Je suis épuisée, mais impossible de fermer l'œil. Une bonne douche brûlante. Des fois, ça m'aide à trouver le sommeil. J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule.
J'ai vu une ombre. C'est ridicule. La porte est fermée à clé, personne n'a pu rentrer. Je suis juste en train de me faire peur toute seule. La porte du réfrigérateur. Elle était fermée, j'en suis certaine. Elle n'a pas pu se... Il y a quelqu'un dans l'appartement. Le téléphone sur le bureau. Je pourrais appeler à l'aide. La porte. C'est la seule issue de l'appartement. Si je l'atteins, j'ai encore une chance. Au son de la flûte, la montagne s'entr'ouvrit et tous les enfants passèrent l'un après l'autre à travers la porte qui se referma aussitôt. Des enfants, il n'y avait plus trace et personne n'a jamais su ce qu'il en était advenu. «
Il faut que je sorte de là et que je découvre à quoi sert ce ticket. Que je traverse la foule. Je ne supporte pas la foule. Je vais pas y arriver. Il y a trop de monde. Trop de monde. Rangée 18, casier numéro 3.
Au secours. Papa. Sean. Où tu es? J'ai très froid. Papa. Papa. Le tueur est blanc. Il a entre 30 et 45 ans. Il n'agit pas par pulsion, mais il planifie ses crimes de manière très structurée. Ce n'est pas vraiment aux victimes qu'il en veut. C'est pourquoi il couvre leur visage de boue, pour les rendre anonymes. S'il n'en veut pas aux victimes, pourquoi est-ce qu'il les tue? Elles ne sont pour lui qu'une image, un symbole. C'est sûrement aussi pour ça qu'il leur laisse cet origami en cadeau, et une fleur sur la poitrine, comme pour s'excuser de ce qu'il leur fait. Très intéressant. Et ça nous met nous, tout ça. Comprendre le comportement du prédateur augmente nos chances de retrouver sa trace. C'est peut-être vrai dans les romans, mais là, la vie d'un enfant est en jeu. Poursuivez, Jill. J'ai ensuite étudié la géolocalisation des meurtres. Généralement, le tueur commence par tuer autour de chez lui, de manière à avoir un endroit sûr où se réfugier en cas de problème. Plus il prend confiance en lui, plus il s'éloigne de sa base. En analysant les emplacements des disparitions, j'ai réussi à isoler une zone dans laquelle le tueur pourrait habiter. Elle fait quelle superficie, cette zone? Pour l'instant, une vingtaine de kilomètres carrés. Voilà qui va nous être utile. Ça doit représenter une dizaine de milliers d'habitants. Vous allez les interroger un par un? Ça ne nous donne peut-être pas l'adresse du tueur, mais c'est au moins un début de piste. Carter, si vous avez un meilleur plan, ça m'intéresse. Ne vous gênez pas. Je vous écoute. Un détail a attiré mon attention. La durée entre le moment où un enfant disparaît et celui où on retrouve son corps varie de 3 à 5 jours. Mais la pluviométrie est toujours égale à 150 mm, à 10% près. Où est-ce que vous voulez en venir ? Les victimes ont toutes été noyées dans de l'eau de pluie. Le tueur ne tue qu'en automne, quand les pluies sont abondantes. Le tueur pourrait bloquer ses victimes dans une sorte de cuve ou de puits étroits à ciel ouvert qui se remplirait progressivement d'eau de pluie. Plus il pleut, et moins la victime survit longtemps. Quel est votre plan pour la suite? Il y a deux suspects dont les profils psychologiques pourraient coller et qui habitent dans la zone de confort du géoprofiling. Je voudrais les interroger. Ah, merde! On est en train de perdre notre temps avec ces conneries! Le tueur est là, quelque part. Il faut qu'on se bouge le cul et qu'on aille le chercher. Ce tueur n'est pas un banal assassin. Il est intelligent, organisé et méthodique. Vous ne le retrouverez pas en patrouillant dans les rues. Et dans les livres que vous avez obtenu cette grande expérience du terrain, agent Jaden, ou alors dans votre putain de bureau au FBI? Je suis venu ici pour retrouver le tueur. Et c'est ce que j'ai l'intention de faire. Avec ou sans votre aide. Espèce de connard ! Ça suffit ! Vous avez dit qu'il fallait 150 mm de pluie avant que l'enfant meure. Il nous reste combien de temps ? Si les prévisions météorologiques sont exactes, moins de 72 heures.
personne. J'ai peur qu'on soit venu pour rien. On va peut-être jeter un œil quand même. Je vois pas comment. Comme ça. Je suis pas sûr que ça soit parfaitement légal. Appeler la police. On dirait que Nathaniel Williams est plutôt du genre croyant. Une espèce de taré mystique qui attend la fin des temps. On l'a interrogé il y a quelques mois parce qu'il délirait dans un parc. Il divaguait, il injuriait. Il disait qu'il entendait des voix. Ce taré s'est mis en tête que j'étais l'antéchrist venu sur Terre pour le persécuter. Un vrai malade. Tombe bien, Nathaniel. C'est justement toi qu'on voulait voir. Seigneur Dieu, viens-moi en aide. Je suis l'agent Norman Jaden du FBI. J'aimerais vous poser quelques questions. Je le jure devant Dieu, je n'ai rien fait. Je suis innocent. Personne ne vous accuse de rien, détendez-vous. Nous voulons juste vous parler. Pourquoi tous ces crucifix ? Vous avez peur de quelque chose ? Le moment est proche où la colère de Dieu va s'abattre sur les hommes. Je me prépare à la fin des temps. Est-ce que vous avez un travail ou une occupation ? Ma seule occupation est de prier notre Seigneur miséricordieux pour le salut de l'humanité. Nathaniel, est-ce que vous vous rappelez où vous étiez mardi dernier ? Vers 16h30. Ici. J'étais ici, j'ai prié toute la journée. Est-ce qu'il y avait quelqu'un avec vous ? Non. Non, j'étais seul. Et les voix, Nathaniel ? Tu entends toujours des voix ? On sait qui te parle, hein, Nathaniel ? On sait tous les deux qui te parle. Ne prononcez pas. Son nom. Qu'est-ce qu'il te dit, Nathaniel ? Je ne peux pas en parler. Il ne faut pas en parler. Après tout, peut-être que Blake sait ce qu'il fait. Une nouvelle proie, hein, Nathaniel ? Il lui en faut toujours plus. Non. Non ! Il ne faut pas parler de lui. Vous allez l'attirer.
t'a ordonné d'aller chercher ce gosse dans le parc. Les voix ont insisté pendant toute la nuit. Mieux vaut laisser faire Blake. Hein, Nathaniel ? Arrêtez. Arrêtez. Ça suffit. Alors pour les faire taire, tu leur as obéi. T'as pris ce gamin avec toi et tu l'as noyé dans de l'eau de pluie, c'est ça ? Non. Non. Assez. Assez. C'est toi qui as buté les gosses, hein ? Tu vas le dire, espèce de salopard ! Tu es l'antéchrist. Posez cette arme. Je vais te renvoyer chez ton père en enfer. C'est le fils de Satan. Il a été envoyé sur Terre pour nous détruire. Merde, Jason, tirez. Je l'ai tué. Ouais. Bon débarras. Le type était taré. Venez, on n'a plus rien à faire ici. Balls. Hey, salut toi. Bah alors, où est passé ta maman? Y a quelqu'un? Oh non. Rambles, vous êtes là? Je vais appeler une ambulance. Non, je... S'il vous plaît, je veux pas aller à l'hôpital. Ok. Vous avez de quoi soigner cette blessure quelque part ?
Oui, je crois. Ok, bougez pas. Je reviens. Il me faut des bandages et de l'alcool. Elle doit bien avoir ça quelque part. Voyons voir. J'ai besoin de ça, ça et ça. Je suis là, Madame Bowles. Ça va aller. Je m'occupe de vous. Il m'en faut plus, ça saigne encore. C'est pas parfait, mais ça ira. Restez avec moi, Suzanne. Suzanne, vous m'entendez? Suzanne, restez avec moi. Vous m'entendez? Restez avec moi. Ok, c'est bon. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Ça devrait stopper l'hémorragie. Heureusement, vos blessures sont pas trop profondes. Hé, comment est-ce que vous vous sentez? Mieux? Mon bébé. Mon bébé a besoin de moi. Attendez. Restez tranquille ici. Je vais m'en occuper. Ok? Vous savez... comment on s'occupe d'un bébé? Je suis détective privé. Je sais tout faire. Elle s'appelle Emily. Je m'en occupe. Bon, la maman est tirée d'affaire. Autour du bébé. Salut, Émilie. Alors, c'est quoi ton problème? Oh, l'odeur. Je crois que j'ai une petite idée. Bon. Alors, comment ça marche déjà? Et voilà un bébé tout propre. Ça devrait aller mieux maintenant. Hein, Emily? Hé, hey, qu'est-ce qui se passe? On a réglé le problème. Peut-être qu'elle a faim. Je suppose qu'il faut faire chauffer ce truc. Bien sûr, je sais pourquoi tu pleures, Emily. Je m'en occupe tout de suite. Alors, Emily, tu as faim? Attends, je vais pencher doucement le biberon pour que tu t'étouffes pas. Ok. Thank you.
Ah, bravo, Émilie. On dirait que ça va mieux. Hein? Maintenant, je vais te bercer tout doucement. Comme ça, tu vas bien t'endormir. OK? C'est parti. Bon, il n'y a pas grand-chose de plus que je puisse faire. Pauvre gamine. La vie va pas être simple pour elle. Merci de vous être occupé de mon bébé. Je ne voulais pas la laisser. C'est tellement dur en ce moment. J'arrive pas à me faire à l'absence de Jérémy. C'était un gentil garçon, vous savez. Je ne comprends pas pourquoi on lui a fait du mal. Vous vous occupez du bébé toute seule? Le père de Jérémy ne vit plus avec vous? Il a disparu. Le lendemain de la disparition. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Peut-être qu'il n'a pas supporté. Depuis, je suis seule pour m'occuper d'Émilie et je n'arrive pas à m'en sortir. Je comprends. Est-ce que votre mari a dit quelque chose avant de disparaître? Est-ce qu'il a laissé une lettre ou quelque chose? Non. Il a quitté la maison sans un mot. Il y avait juste ce téléphone. Le téléphone? Ouais, j'ai retrouvé un téléphone portable caché dans son armoire. Je suis sûre qu'il n'était pas à lui. Je ne l'avais jamais vu avant. J'ai essayé de l'allumer, mais il ne fonctionne pas. Et vous l'avez encore? Oui, il est... Il est dans un tiroir, dans le salon. Vous pouvez le prendre. Je suppose qu'il vous sera plus utile qu'à moi. Vous avez de la famille ou quelqu'un qui peut vous aider? Oui. Ma mère. Je ne voulais rien lui demander. On ne s'entend pas très bien. Mais je crois que je vais mettre ma fierté de côté pour un temps. Prenez soin de vous et d'Émilie. Oui, je vous le promets. Dans un tiroir, dans le salon. C'est bien ce que Suzanne a dit.
Le ticket de parking que j'ai trouvé dans l'origami conduit dans ce garage. Qu'est-ce que je vais trouver ici? Il doit bien y avoir quelqu'un dans ce garage. Excusez-moi. Vous plaît? Ah. Désolé, je vous avais pas vu. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je viens chercher cette... ma voiture. Bah dites donc, vous êtes plutôt du genre patient, vous. Est-ce que je suis déjà venu dans ce garage? Cette bagnole est là. On l'a fait tourner tous les mois. On a vérifié les pneus et la batterie, comme vous aviez demandé. Voilà. Elle est au Merci. Troisième sous-sol, l'ascenseur de cercle. Allez, bonne journée, monsieur. 2 ans que cette voiture est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Sean semblait à bout de force dans ce puits. Mais il est vivant. Je ferai tout pour le sortir de là. Votre destination est à 6 km d'ici. Sortez du parking et prenez la première à droite. Pour sauver mon fils, je ferai n'importe quoi. Si je réussis, j'obtiendrai des lettres de l'adresse où se trouve Sean. C'est ma seule piste. Je ne peux pas la laisser passer. Je dois le faire. Pour Sean. J'ai pas le choix. Thank you.
lâcher!
C'est l'angoisse qui prévaut ici, alors qu'on est toujours sans nouvelles du petit Sean Mars, 10 ans, disparu hier alors qu'il jouait dans un parc. De source policière, il semble désormais acquis que c'est bien le tueur aux origamis qui serait derrière cette nouvelle disparition. Si cette information venait à se confirmer... Hey, salut ma jolie. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voudrais une chambre. Tout ce que vous voudrez, poupée. S'ils veulent retrouver l'enfant vivant. Emplissez le registre. Madison Page, 27 ans, célibataire. Et vous allez rester longtemps parmi nous, mademoiselle Page? Je sais pas encore. Chambre 201. C'est l'escalier à droite dans la cour, au dernier étage. Merci. Tout le plaisir a été pour moi. J'en doute pas. Chambre 201. Escalier de droite, dernier étage. J'espère que ce débile de réceptionniste n'a pas le double des clés de ma chambre. Rien que d'y penser, j'ai des sueurs froides. Il y a quelqu'un là-bas. Monsieur ? Est-ce que ça va ? Je vais appeler une ambulance. Pas d'ambulance. Vous êtes gravement blessé. Il vous faut un médecin. S'il vous plaît, aidez-moi juste à retourner dans ma chambre. C'est la 207. Vous avez la clé. Vous êtes dans un sale état, vous devriez voir un médecin. Je dois avoir une ou deux côtes cassées. On n'en meurt pas. Mais ça fait un mal de chien. Vous saignez à la tête, ça a l'air profond. Des médicaments. Il y a sûrement une armoire à pharmacie dans la salle de bain. Antidouleur paracomol, administré en cas de forte douleur, ne pas dépasser un cachet par 24 heures. Il peut à peine bouger. Je peux pas partir et le laisser comme ça. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Un antidouleur. Ça va vous soulager. Sur la boîte, ils disent d'en prendre un par 24 heures. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de forcer la dose. Je n'ai pas le temps d'attendre. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Sa plaie a besoin d'être désinfectée.
antibiotique Nécophrène 100, administré en cas de risque d'infection. Antifièvre Péraphénol, administré en cas de forte fièvre uniquement. Il n'a pas l'air fiévreux. Je vais l'aider, je poserai des questions plus tard. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est ? De quoi faire baisser votre fièvre. Ah, mais... je n'ai pas de fièvre. Ok, je vais voir si je trouve autre chose. Antibiotique Nécophrène 100, administré en cas de risque d'infection. Tenez, prenez ça. Ça devrait vous faire du bien. Qu'est-ce que c'est ? Un antibiotique. Un antibiotique ? Je ne suis pas médecin, mais je ne crois pas risquer l'infection avec une côte cassée. Ok, je vais voir si je trouve autre chose. Sa plaie a besoin d'être désinfectée. Je vais désinfecter votre plaie. Il est possible que ça pique un peu. Voilà. Au moins, ça ne s'infectera pas. Merci. Si j'étais vous, j'éviterais de bouger pendant quelques jours. Je voudrais prendre une douche. Ok, je vais vous aider. Je reste ici en attendant que vous ressortiez. Prévenez-moi si vous vous sentez mal. Vous devriez me parler. Comme ça, je saurai si vous tombez dans les pommes. C'est quoi, votre nom ? Madison. Logez aussi dans le motel ? Non, j'habite en ville. Je souffre d'insomnie chronique. Je n'arrive à dormir que dans les hôtels. Ne me demandez pas pourquoi. Alors, quand je suis trop épuisée, je viens passer une nuit ici. Et vous ? Je suis juste de passage dans la région. Et à part soigner les inconnus, Madison, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis photographe. Je photographie des intérieurs design pour des magazines tendance. Et vous ? Je suis architecte. Merci d'être resté. Je crois que ça va aller maintenant. Bon. Ok, je vais y aller.
Ah, au fait, vous ne m'avez pas dit votre nom. Ethan. Soyez prudent, Ethan.